camion est sous la boucle. Et ensuite, il y a eu des coups de feu. Des gens sont en train de mourir. Venez nous aider. Dutch, t'es là, c'est réglé. C'est quoi ce bordel? On a entendu plein de tirs et je suis presque sûre que c'était pas le tonnerre tout à l'heure. Mais des explosions. Boomer aboie tout le temps et veut pas se calmer. C'est encore ces cinglés de la secte? Va falloir supporter ça longtemps. Allô? C'est quel? Quelqu'un m'entend dans la prison? Répondez. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Y'a vraiment personne? Je me suis pas vraiment présenté. La plupart des gens m'appellent Dutch. J'essaie de comprendre ce qui se passe là-haut. Et c'est pas beau à voir. D'après ce que je comprends, tes collègues sont en vie. Pour l'instant. Mais on les a séparés. Chaque membre de la famille de Joseph en a un sous sa garde. Tu veux les retrouver? Oui, je comprends. Moi aussi, on m'a pris des amis. Le problème, c'est que personne viendra t'aider. Personne ne sait ce qui se passe ici. Et l'info sortira pas avant qu'il soit trop tard. Il y a forcément des gens ici qui seraient prêts à riposter contre la secte. Il faut juste qu'on leur montre comment faire. On doit former une résistance. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est reprendre le contrôle de cette île. Une fois un peu plus tranquille, on pourra mettre un plan sur pied. Y a un flingue et une carte dans le coffre là-bas. Prends-les. Je te recontacte par radio dès que t'auras pris tes marques. Fais bien gaffe à toi, ça grouille de cinglés. Ces connards sont prêts à mourir pour le psychopathe qui leur sert de chef. Tous les connards de la secte que tu vois, et viens en aide aux habitants dans le besoin, d'accord?